Alors Celtic, c'est un logiciel qu'on a pas mal utilisé dans les années 2010 à 2015. Aujourd'hui, je crois qu'il n'est plus gratuit. Et du coup, il permet d'écrire des petits scénarios. Oui, vous avez la possibilité d'avoir des enquêtes, l'action, personnages, dialogues. En fonction de ce que vous voulez faire, vous cliquez et du coup, le texte se met à la bonne place. Donc, en titre, avec les parenthèses pour savoir ce qu'on va avoir comme indication, le nombre de personnages. Voilà, donc là, c'est le petit scénario sur Animando, qu'on avait fait en pensant justement au film Animando. Et voilà, donc avec 10 collègues, et on a fait des exercices de pixelation, tout simplement. Voilà. Donc, couloir plan 1, avec 10 collègues qui avancent normalement dans le couloir jusqu'au milieu. Et là, on prend une photo toutes les 2 à 3 secondes. Les collègues avancent, s'arrêtent, etc., etc. Et comme ça peut faire un effet de mouvement rapide. Notamment si ils sont sur des chaises ou des bancs, comme vous allez le voir. Voilà, dans le plan 3, on a effectivement des voitures et des autobus, les voitures étant les chaises et les autobus étant les bancs. Et puis certains font des rollers ou du patin à glace. Donc voilà, c'est des exercices très sympas, les collègues s'amusent beaucoup à faire ça. Et puis ben, c'est du stop motion, donc c'est du film d'animation. Donc on peut inclure ça dans ces projets de films d'animation en classe. Et puis les enfants adorent aussi parce que ça a un effet magique. Et le plus difficile de cet exercice, alors j'ai une classe qui avait réussi à le faire où les enfants sautent pour donner l'impression qu'ils volent. Et il faut prendre la photo au bon moment justement. Et c'est pas toujours évident. Voilà. Dans le plan numéro 6, moi j'apparais déguisé avec une perruque, une chemise jaune, un pantalon bleu, et j'avance comme dans le film Animando, Animando était un film que l'on montre à toutes les formations parce que ça montre en fait toutes les possibilités de faire du film d'animation en 2D, en 3D, avec plein de techniques. C'est vraiment un outil idéal.